Charles III serait-il en train d'orchestrer, enfin, la paix avec son fils cadet? Alors qu'il était en visite dans une université de Londres vendredi 18 août, le roi a donné une réponse pleine d'espoir sur le futur de leur relation ce samedi, lors d'un bain de foule. Et pas totalement anodine, selon les journaux britanniques, père et fils pourraient se voir très rapidement. Faites revenir Harry, s'il vous plaît. Pouvez-vous le ramener s'il vous plaît, monsieur? Lorsque la question, posée par un fan de la famille royale venu rencontrer le roi Charles, a retenti dans une université londonienne vendredi dernier, le monarque a d'abord fait comme s'il ne l'avait pas entendu. Discret sur les problèmes qu'il oppose à son cadet, le prince Harry, le monarque n'a en effet jamais parlé publiquement de la grave brouille qui a mené à son éloignement en Californie fin 2019, ni de ses très rares retours depuis lors. Et ne s'attendait sûrement pas à cela en plein milieu de l'été. Mais difficile pour lui d'ignorer ce genre de questions plus longtemps, devant les caméras et les photographes, après un discret quoi? Et l'insistance du jeune homme, le souverain n'a pas eu d'autre choix que d'y répondre. Et les mots choisis semblent supposer qu'une réconciliation est toujours possible. Ce serait bien, a-t-il lâché avec un peu de tristesse. Alors, pourrait-on voir le prince Harry réintégrer bientôt les rangs de la couronne? Selon les journaux britanniques, un rapprochement aurait en tout cas été effectué. En effet, dans quelques semaines, aux alentours du 10 septembre, le petit frère du prince William, avec qui la relation est en revanche toujours tendue, viendra en Europe pour le début des Invictus Games, ces Jeux paralympiques réservés aux vétérans qui se déroulent à Düsseldorf. Et comme l'an dernier, le trentenaire devrait être présent. Et passé par Londres, au moment où son père reviendra de Balmoral. À nouveau loin de Meghan Markle, les deux hommes, selon les informations du Daily Mail, seraient en train de prévoir un rendez-vous. Pour apaiser enfin leur relation, il semblerait bien. Surtout que Meghan Markle ne devrait pas être invitée au rendez-vous. Voire même, ne pas être là du tout. En effet, la duchesse de Sussex n'a pas remis un pied en Europe depuis un an et semble refuser de revenir à Londres. Elle pourrait donc bien zapper les Invictus Games et souligner à nouveau les tensions qui semblent exister entre eux depuis quelques mois. Plus vu en public depuis très longtemps, le couple ne vivrait plus sous le même toit, d'abord en raison du père des petits Archie, 4 ans, et Lilibet, 2 ans, qui s'était éloigné dans un hôtel de luxe pour faire le point. Et désormais, si est Meghan Markle qui aurait pris une résidence à Los Angeles pour se relancer dans le business. Des rumeurs qui pourraient également expliquer le rapprochement du fils de Lady Diana et de sa famille, lui qui souhaiterait également une trêve avec son frère William.